Le Parlement ukrainien a donné son feu vert ce jeudi au nouveau gouvernement formé par Arseniy Yatsenyuk. 331 députés sur 450 ont voté la confiance à ce cabinet de transition. Ancien ministre de l'économie et membre du parti de Yulia Tymoshenko, Arseniy Yatsenyuk a composé une équipe dans laquelle figurent plusieurs personnalités issues du mouvement de contestation. L'objectif prioritaire de ce gouvernement, c'est l'intégration européenne. Concrètement, cela veut dire la suppression des visas pour les Ukrainiens circulant en Europe, la mise en place d'un accord politique et économique avec l'Union européenne et l'instauration d'une zone de libre-échange. L'avenir de l'Ukraine, c'est dans l'Union européenne. L'Ukraine va devenir membre de l'Union européenne. Et l'Ukraine stane частиною Європейського Союзу. Ce nouveau gouvernement est censé rester en place jusqu'au 25 mai prochain, date de l'élection présidentielle anticipée, une élection pour laquelle Arseniy Yatsenyuk a dit qu'il ne serait pas candidat.